La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Tatum on the far side, Walker trying to free him with a screen. Here's Tatum, gets it away in time, gone! Jason Tatum falling down, hits the baseline J as the buzzer sounds. Become Dave, look at this. Tough two, easily, off in time. Excellent, and this is a team that's exceptional in their baseline, end line execution. Bonsoir à tous ou bonjour si vous regardez ce Dino Talk l'après-match au lendemain de la rencontre. La rencontre dont nous allons parler aujourd'hui, c'est bien sûr ce match 1 entre les Boston Celtics et les Toronto Raptors, match 1 des demi-finales de la Conférence Est, qui s'est soldé par une lourde défaite pour les Raptors, 112 à 94. On va revenir sur cette rencontre avec notre coach, coach Étienne. Salut coach. Salut à tous, salut Mike. J'espère que ça va bien. Ça va, même si j'ai tweeté que j'étais un peu énervé. Au final, ça reste que du basket. Avec tous les événements qu'il y a eu ces derniers jours, on va pas dramatiser un match de basket et encore moins un match 1. On va revenir sur cette rencontre et comme on fait d'habitude, dis-moi un peu ta réaction à chaud. La rencontre s'est terminée il y a à peu près une heure et demie. Dis-moi un peu quel est ton sentiment après ce match. J'ai eu une super équipe de Boston. J'étais ravi de voir Marcus Smart regagner ce niveau-là. Il est tourné à 8 points de moyenne ces derniers temps et là il finit à plus de 20 points ce soir. Et puis voilà, c'est aussi défensivement en termes de, enfin physiquement défensivement. Offensivement, je veux dire, on a vu une grosse équipe de Boston qui a réussi à cadenasser Fred VanVleet, qui a cadenassé Norman Powell, qui a cadenassé notre Pascal Siakam. Et franchement, je tire mon chapeau bas pour cette belle équipe de Boston ce soir qui a vraiment fait un super match pour finir à 112-94. Donc, je tire ma révérence. Ils ont réussi à nous cadenasser. Ouais, on va revenir un peu sur le contexte du match. Ça a été beaucoup le sujet qui est revenu lors des questions dans l'interview, notamment avec Kyle Lowry. C'est bien simple, dans l'interview d'après-match de Kyle Lowry, il n'y a pas eu une seule question sur le match. Tout le monde a un peu reparlé du contexte. Pas une seule question sur le match. Tout le monde a reparlé du contexte, qui s'était passé avant et l'impact que ça avait eu sur cette rencontre. Donc, de toute façon, ce que les joueurs, parce que Ibaka aussi, après ça a plus parlé du match avec Ibaka, mais que les joueurs ont dit, est-ce que Nick Nurse a dit, de toute façon, les Raptors ne s'en servent pas comme excuse. Bien sûr, c'était difficile d'avoir la tête au basket pour la rencontre, mais c'était exactement la même chose pour les Celtics. Et comme disait Nick Nurse, je ne les ai pas sentis dérangés par ça. Alors, on va juste souligner le fait que ça a été quelque chose de très émotionnel. L'avant-match, dans les vestiaires avant, Nick Nurse a dit qu'il n'a pas vu beaucoup de fun dans l'équipe. Donc, on va souligner ça. Bien sûr, ce n'est pas ce qui explique la défaite des Raptors. Car les deux équipes avaient le même contexte d'avant-match. Il faut quand même le souligner. C'est quelque chose qui a joué. À voir, cette équipe, elle a toujours montré qu'elle sait réagir après des défaites, à voir ce qui va se passer. On va tout de suite rentrer dans l'analyse du match. Habituellement, on s'était habitué avec la série contre les Nets, c'est-à-dire on va pas avoir beaucoup de points négatifs à relever ce soir. Je pense que là, on peut complètement inverser ce qu'on disait d'habitude. Inverser la tendance. Ce soir, on va pas avoir beaucoup de points positifs, mais dis-moi un peu, est-ce que tu retiens des choses positives de cette rencontre? Serge Ibaka a dit, lui, il retenait rien du tout dans l'interview que je vais vous diffuser dans les heures à venir. Qu'est-ce que tu retiens de positif? J'ai quand même du positif. Déjà, d'une, la première chose, c'est OG Anunoby qui a tenté, je mets les guillemets là-dessus, qui a tenté de combler l'absence de Pascal Siakam, parce qu'ils ont quand même, faut le rappeler, le même poste, ils sont tous les deux ailiers, et il a quand même tenté à certaines reprises par ses dunks de remettre un petit peu d'explosivité, ce que Pascal aurait dû faire sur ce match. La deuxième chose, c'est au troisième carton, Kyle Lowry, qui pour moi a vraiment essayé du mieux qu'il a pu de faire le patron. Il a été le patron, il a fini avec beaucoup de lancers francs, il a fini avec beaucoup de passes et beaucoup de rebonds. Moi je pense qu'il a eu quand même un impact vachement positif sur le troisième carton. Il a été là pour donner des secondes chances à ses coéquipiers. Il a été là aussi dans les contre-attaques et à regarder devant. Moi, je trouve que s'il y a un joueur qu'on peut pas blâmer trop aujourd'hui, c'est Kyle Lowry, qui pour moi a quand même essayé de faire les choses. L'autre joueur que j'ai bien aimé ce soir, même s'il a un plus moins, un moins 10, c'est Serge Ibaka, qui malgré tout a bien entamé quand même le match avec 2-3 points qui nous font du bien et qui a encore une fois une présence au rebond qui est intéressante. Il termine le match avec 9 rebonds, qui est
le maximum chez l'équipe des Toronto Raptors. Donc je retiens quand même Kyle Lowry et Serge Ibaka qui pour moi ont fait des bons matchs ce soir malgré tout. Je te rejoins, s'il n'y a pas Ibaka en premier quart-temps, je pense que l'écart qui est déjà quand même de 16 points à la fin du premier quart, il peut être encore plus important. Il y a vraiment personne qui était capable de marquer un panier dans ce premier quart et Serge Ibaka qui rentre, qui met deux paniers à 3 points de suite, ça a quand même permis à ce qui est quand même un match, parce que je pense que s'il ne met pas ces deux tirs là et que l'attaque continue vraiment à stagner dans le début de match, je pense que le blowout il est déclaré, mais bien avant ce troisième quart-temps, même quatrième quart-temps, les Raptors reviennent à 12 points à un moment, mais finalement on va en parler dans les points négatifs, mais au final, Nick Nurse a été out-coach par Brad Stevens. Chaque fois que les Raptors revenaient, Brad Stevens a pris... Ça s'est passé deux fois. De toute façon, les Raptors sont revenus en début de deuxième, il me semble, si je dis pas de bêtises. Début de deuxième et fin de troisième, c'est ça. Et à chaque fois, Brad Stevens a pris un temps mort, il a remis les choses en place et Boston a fait un run derrière qui a complètement annihilé toutes les velléités offensives des Raptors. Donc ce soir, on va en parler dans les points négatifs. Je te rejoins sur les points positifs, Ibaka fait un bon match. Parfois, je voudrais revenir sur le plus-minus. C'est une stat qu'il faut prendre quand même, moi je dis toujours avec des pincettes, parce qu'en fait, elle ne reflète pas forcément l'impact d'un joueur, ça dépend qui t'as autour de toi. Et le nombre de minutes que tu joues, tu peux passer sur les 26 d'Ibaka, il a peut-être passé, 20 minutes avec les starters qui ont tous un négatif ce soir, et avoir été avec les remplaçants et avoir fait les runs, mais finalement, son temps de jeu qui a été plus important avec les titulaires qui ont, eux, pas été au rendez-vous, par exemple, peut faire qu'il est à moins 10 alors que son impact il n'est pas si négatif que ça. Donc c'est pour ça des fois je prends un peu des pincettes pour le plus minus, même si c'est quand même révélateur. On voit par exemple Fred VanVleet et Pascal Siakam qui ont tous les deux fait un match très compliqué, qui sont à moins 28 et moins 20, mais on a par exemple Anunoby qui est à moins 21, et comme tu dis, Anunoby fait quand même partie de ses satisfactions. Il a fait ce qu'il avait à faire défensivement et il a eu des petits éclairs en pénétration sur quelques dunks qui ont un peu relancé l'équipe moment, même si finalement ça a été insuffisant. J'ai pas beaucoup de points positifs non plus à relever. Il y a eu ces deux runs. Il y a eu Terence Davis, mais il a joué 12 minutes, donc c'est pas sur l'impact qu'il a eu sur ces minutes à lui, ça a été assez intéressant. Maintenant, il a pas eu le temps de jeu, il a pas eu un temps de jeu vraiment qui lui permettait d'aller plus loin. Il fait un 2 sur 4 aux 2 points, 1 sur 3 à 3 points, il prend. Il fait son 2 sur 2 au lancer franc. Il a pris un rebond et pris des shoots intéressants. Malheureusement, j'aurais aimé le voir un petit peu plus sur ce match-là. Enfin, je pense que c'était quand même un des joueurs qui avait une bonne dynamique sur ce match-là, mais ouais, je suis étonné de voir son temps de jeu. Il était l'une des satisfactions du premier quart aussi, je me rappelle. Son entrée avec Serge Ibaka a fait du bien. Malheureusement, oui. Parlons un peu de la rotation de Nick Nurse. Il a pas fait jouer Rondaelis Jefferson du coup. Il s'appuie sur Ibaka Powell comme d'habitude. Après d'ailleurs c'est très short. Terence Davis est rentré en premier quart et après au-delà le reste ça a joué dans le garbage time comme on dit. Il aurait mérité d'avoir plus de temps de jeu pour voir les choses venir, mais je pense que comme tu disais, il a été un peu pris au niveau du coaching. Je pense que quand tu te fais agresser dès le début offensivement par Boston, il a pas pris des décisions qui étaient aussi claires que ce qu'il avait pris contre les Brooklyn Nets. Et honnêtement, je pense que c'est compliqué d'expliquer pourquoi il a qu'une minute 50 de temps de jeu aujourd'hui. Il a joué que à la fin en fait, c'était tous les remplaçants sur le terrain. Alors, en fait, il a fait une rotation à 8 et le 8e c'est Terence Davis avec 12 minutes. Donc en vrai, c'est une rotation vraiment à 7 avec Terence Davis. En fait, c'est un intérieur, un extérieur qui tourne et le reste c'est toujours avec les titulaires. C'est pour ça que je voulais également noter que en fait le banc des Raptors fait un bon match si on compte les points, mais en fait dans ces cas-là, quand tu es autant dominé par le 5 de départ adverse, l'impact de ton banc il est minimisé parce que en face, on a tous les joueurs du 5 de départ de Boston qui sont à 10 points ou plus, dont deux qui sont à plus de 20, plus Kemba Walker qui est à 18. Et dans ce cas-là, l'écart est abyssal entre les titulaires. Donc tu peux avoir ton banc qui fait le meilleur match du monde, ça ne suffit pas, surtout quand tu fais une rotation à 8 pour combler le déficit. Je pense qu'on va tout de suite passer au point négatif. On va tout de suite parler de... Moi, je voulais commencer par la défense, en fait. Les Raptors, on sait que c'est une très bonne équipe pour défendre le tir à 3 points, avec cette petite faiblesse qu'on a notée tout au long de l'année. Dans les
corner. Donc la plupart du temps, ils arrivent à faire en sorte que leur adversaire soit pas très adroit à trois points, même dans les corners. Mais ce soir, alors est-ce que c'est coup de génie de Brad Stevens ou juste un soir où Boston était en feu? Ce soir, Boston a été vraiment très bon dans cet exercice. Il commence le troisième quart avec trois tirs primés et ça a vraiment mis à mal les Raptors. Comment tu analyses ça? Est-ce que c'est la zone mise en place par Nick Nurse? Est-ce que c'est les choix de Nick Nurse qui font que ces trois points sont ouverts dans les coins? Et comment tu vois un peu tout ça ce soir sur l'adresse de Boston? On sait que l'adresse, c'est quelque chose de fluctuant de toute façon. Ce soir, c'était vraiment un grand soir pour Boston. Tout le monde mettait à trois points. Wanamaker a mis à trois points. Même quand il est rentré, comment il s'appelle, Oyeleye, il a marqué à trois points. Tout le monde a marqué à trois points face à cette défense des Raptors. Alors qu'à l'inverse, Toronto, on aurait pu leur mettre un cercle de 1 mètre de diamètre. Je pense qu'ils n'auraient toujours pas mis dedans ce soir. C'était vraiment très compliqué. Dis-moi un peu comment tu vois ça, juste par rapport à la défense d'abord, pour commencer côté Raptors. Déjà, une superbe analyse du jeu des Raptors, puisque la défense 2-1-2 que Nick Nurse a encore une fois beaucoup réalisée a été faite sur la série contre les Nets. S'il y a un coach en face qui est intelligent, en l'occurrence Brad Stevens, qui arrive, il va effectivement commencer à provoquer un petit peu ça. Toronto a une défense qui est très haute. Quand tu as une défense très haute, tu te fais passer généralement sur les drives. Si derrière, tu as les deux gars qui se resserrent, qui sont sur la ligne de fond et que Boston, sur son système, arrive à mettre deux gars dans les corners, ça te laisse à chaque fois le choix à droite ou le choix à gauche. Après, si ton équipe elle est à fond dans l'adresse sur cette journée-là, c'est banco pour toi, quoi. Et je pense que c'est pas anodin si à chaque fois il y avait deux joueurs verts dans les corners à chaque drive dans l'axe. Tu fais monter Marc Gasol ou Ibaka qui est en centrale, tu fais monter un des deux gars qui est en ligne de fond et derrière tu envoies au gars qui est tout seul sur le corner. Si on a des gars qui sortent à trois points derrière, tu lances une extra passe et puis ça tire à 45 degrés. Donc je pense que Boston a complètement vu au travers de cette défense-là et elle en a tiré parti avec une adresse remarquable, chirurgicale même. Ils terminent quand même pour une équipe complète quasiment 44% de réussite à 3 points. C'est-à-dire quasiment un shoot sur 2 rentre. C'est énorme. Ils ont shooté 39 fois. Je te laisse faire le calcul, hein. C'est fou, hein. C'est ça, 17 tirs à 3 points encaissés par les Raptors sur 39. On est très très loin des moyennes sur les derniers matchs. On se rappelle, Toronto habituellement c'est autour de 30% pour l'adversaire à 3 points. Ce soir, de toute façon, c'est clairement ce qui fait la différence quand on regarde les tirs à 3 points. Bon, il y a même pas besoin d'aller très loin dans l'analyse. 17 sur 39 à 3 points, 10 sur 40 à 3 points. Il y a pas besoin de faire beaucoup plus de calculs. Parce que quand même, ce que je tenais à souligner aussi, c'est que malgré tout, les tirs à 3 points que les Raptors obtiennent, c'est pas non plus des tirs forcés. Ils arrivent à s'ouvrir les tirs à 3 points, mais c'est juste que ce soir, ils ont été incapables de mettre dedans. Je sais pas ce que t'en penses, on peut revenir là-dessus. L'attaque des Raptors pour se créer des tirs, moi je trouve que c'est pas mauvais au final. C'est juste qu'ils mettent pas dedans. Mais en fait, c'est le même constat que lors du match de classement face aux Celtics. Ils ne mettent pas dedans. Donc, selon toi, est-ce que c'est à Nick Nurse de trouver autre chose? Quand tu vois, tu mets pas dedans à trois points, est-ce que tu dois essayer de trouver des autres solutions à l'intérieur? Peut-être en trouvant plus Pascal Siakam. On va en parler peut-être après du match de Pascal Siakam. Ou est-ce, je sais pas, quelle est ton impression là-dessus? Qu'est-ce que Nick Nurse doit faire? Recentrer sur le secteur intérieur. Les Raptors auraient dû être plus dominants. En face, il y a Daniel Theis qui fait un excellent match. Vraiment, il y a rien à redire là-dessus. Mais on a, Marc Gasol n'a pas été dominant. Serge Ibaka a encore joué très au large. Donc, de ce côté-là, il a 3 sur 7 à 3 points. Donc, ça t'indique un peu les stats. Je pense qu'effectivement, à un moment donné, il faut éviter à tes ailiers de trop tirer. Fred Van Fleet, c'est combien? C'est 2 sur 11. 2 sur 11. 11 tirs tentés, il en a mis que 2. Donc, à un moment donné, moi, je vois pas beaucoup de tirs tentés dans le secteur intérieur. Je trouve qu'on a vraiment pas essayé d'aller chercher un petit peu là-dedans. Tu sais, c'est un petit peu comme si je te disais qu'on aimerait trouver un petit peu plus d'alternance. Quand tu dis un petit peu dedans, un petit peu dehors. Et là, on a vu énormément, tu regardes la chart shot, le graphique des shoots, là, tu sais, avec les positions sur le terrain. Tu vas voir tout est en dehors des trois points ou juste un petit peu après. Donc, trouver de l'alternance, je dirais que c'est peut-être la solution que Nick Nurse pourrait apporter. Je vois pas autre chose. Après, comme tu le dis, c'est complètement vrai. Je veux dire, l'adresse, tu l'as ou tu l'as pas. Boston l'a eu.
Toronto l'a pas eu. Est-ce que il y a un impact aussi des événements récents par rapport au tir par balle de mardi dernier de Jason Blake? Est-ce qu'il y a ça qui apparaît un petit peu dans la tête des joueurs? Sûrement, sûrement. Je pense qu'il y a aussi peut-être une notion de préparation mentale. Tu sais, pour réussir ses shoots, faut quand même être présent mentalement. Après, peut-être que Boston a été plus efficace pour effacer ça et passer au basket. Peut-être que Toronto, eux, ils sont un petit peu plus lents. En tout cas, je pense que sur le match 2, on aura quand même un autre visage, on aura une autre adresse. Et peut-être éventuellement, je sais pas, on en reparlera, que Nick Nurse apportera un petit peu plus d'alternance dans son jeu, un petit peu dedans, un petit peu dehors. Tu vois un peu? Ouais, tout à fait. Il en a parlé d'ailleurs, il a dit au sujet de Siakam et Van Vliet d'ailleurs. On va parler tout de suite du match de Siakam et Van Vliet. Van Vliet qui a 2 sur 11 à 3 points. Et 3 sur 16 en général, donc même dans ses drives, il a eu du mal. Dans la raquette, pour revenir dessus, les Raptors ont mis 38 points et ils ont pris 37 tirs. Ils sont à 19 sur 37 à l'intérieur. Donc du coup, 37 tirs à l'intérieur et 40 à 3 points. Donc c'est vrai qu'on peut se dire que c'est pas forcément habituel de shooter si peu à l'intérieur par rapport au nombre de tirs à 3 points, même si la tendance de la NBA actuelle tire vraiment vers plus de tirs à 3 points, on sait, avec Houston qui le fait dans tous les sens. Mais côté Raptors, c'est vrai que on va revenir justement sur le match de Fred VanVleet et sur celui de Siakam. VanVleet, il a eu même du mal dans ses drives, il est à 2 sur 11, donc 3 sur 16 au total. Enlève les 11 tirs, il est à 1 sur 5 dans les drives. Il a vraiment été bien tenu, comme tu l'as dit. Nick Nurse a dit qu'il a trouvé que les opportunités n'ont pas été créées pour Van Vliet. Il lui a pas donné suffisamment de look. Donc je pense que ça sera à suivre pour le match suivant. Je pense que Nick Nurse va essayer de remettre Van Vliet dans des situations où il est plus à l'aise, peut-être en jouant plus écarté pour qu'il ait vraiment de plus grands couloirs pénétration. Il va falloir suivre ça. En revanche, ce qu'il a dit pour Siakam, c'est que ça a été compliqué. Il a vu la même chose que tout le monde. Siakam a eu les opportunités. J'ai bien aimé quand même sa réaction en quatrième quart ou troisième, fin de troisième, quatrième, où il est quand même allé plus jouer dos au panier. Il a dominé un peu Jalen Brown. C'est vraiment ce qu'on aimerait le voir faire. Il a encore pris beaucoup de tirs à trois points sans réussite. Il est à combien ce soir? Il en a pris que 3. Déjà, en fait, même si je suis déçu du match de Siakam, je suis déjà plus satisfait du fait qu'il soit allé plus à l'intérieur et ces derniers temps, il shootait 7 à 10 tirs à 3 points. Là, il est à 0 sur 3. Là, au moins, il a vu que ça rentrait pas de loin et il est allé plus à l'intérieur sans grande réussite, malheureusement. Nick Nurse l'a laissé un petit peu plus longtemps sur la fin quand il y avait tous les remplaçants pour essayer de le relancer. Il a mis un petit flotteur. Bon, il a 5 sur 16. Hein. C'est vraiment quand même très compliqué, même à l'intérieur. Mais Nick Nurse a dit qu'il va essayer de lui donner peut-être plus varier ses positions, que ce soit du post-up, que ce soit des isolations. Moi, je pense que la clé quand même est dans les mains de Pascal Siakam, parce qu'on l'a vu, quand il veut dominer Jalen Brown, il le domine. Mais il va falloir le faire, je pense, tu vas être d'accord avec moi, avec plus de consistance. On a besoin de lui. Ils ont besoin de lui. Ils ont besoin de Pascal Siakam. Tu peux pas toujours tenir compte des autres joueurs. Cette année, c'est le joueur qu'on attend tout en haut. Voilà, pour moi, il doit épauler l'équipe avec Kyle Lowry. Et ces playoffs, on s'essouffle un peu là pour le moment. Donc, on attend quand même un autre visage de sa part. Je suis encore une fois très dur avec lui. Mais je pense que c'est pour le mieux, tu vois. L'équipe a besoin de lui. L'équipe a besoin de ses tirs. L'équipe a besoin de ses 1 contre 1. Et sans ça, honnêtement, ça libère pas du tout Fred VanVleet, ça libère pas du tout Norman Powell, qui se font complètement bousiller au niveau de la taille. Enfin, Jalen Brown, il est grand. Jason Tatum, il a des longs bras. Marcus Smart, même s'il est un peu plus dans les mêmes tailles que nos gars, il défend hyper fort. Mais je veux dire, si t'as pas à défendre Pascal Siakam, parce qu'il est pas dans un bon jour, du coup, tu défends sur les autres qui scorent. Et derrière, c'est un petit peu un roulé-boulé et tout le monde s'enchaîne comme ça. Ouais, complètement, ouais. On a besoin de la fixation de Siakam, sinon ça libère moins les autres joueurs. Tout à fait d'accord avec toi. Siakam, il a combien de passes ce soir? Il est seulement à 2 passes. Bon, après, c'est pas un gars qui tourne à 10 passes par match non plus, mais on l'a pas senti capable de faire des décalages. On le sent pas agressif dans les contre-attaques. Nick Nurse a dit qu'il va essayer de plus l'involve dans les contre-attaques. Puis il a fait beaucoup de mauvais choix aussi. J'ai une image qui me revient en tête en contre-attaque. À un moment, il a Powell qui est tout seul à côté de lui, mais on dirait il veut tellement se
se prouver qu'il peut aller scorer, qu'il est allé forcer, il a fait le passage en force alors que c'était une contre-attaque à 2 contre 1 ou des choses comme ça. Je suis tout à fait d'accord avec toi, on a vraiment besoin que Siakam se remette à l'endroit. Je dis pas qu'on a besoin de Siakam à 25-30 points, mais on a besoin d'un Siakam au moins autour des 20 points. 13 points, c'est pas suffisant, surtout en 16 tirs. Qu'as-tu pensé de lui défensivement? Est-ce que tu es satisfait? Est-ce que tu trouves qu'il peut faire mieux? Ce soir, je l'ai vu parfois bien, parfois un peu moins. Je sais pas, il dit toujours le plus important pour lui, c'est d'être agressif et donner l'énergie. J'ai pas senti cette énergie de son côté ce soir en défense. Quel est ton point de vue un peu là-dessus? Il a eu 2 bons turnovers, ce qui était un sur une sortie d'écran qui était vraiment intéressante. Il a de manière générale pas eu la même agressivité à 3 points. D'habitude, il sort beaucoup plus vite, je trouve, sur les tirs. Est-ce que on a été moins efficace aussi de manière générale sur les sorties à 3 points? Parce que bah, l'adversaire a quand même shooté 17 tirs, ce qui est pas trop mal. Donc non, je suis un peu mitigé sur les performances des deux côtés en fait, offensivement ou défensivement, on l'a moins senti dedans. Mais voilà, et je sais pas, en conférence de presse, tu l'as trouvé comment? Je l'ai pas eu, il était dans l'autre room. Moi, j'ai fait Ibaka ce soir du coup. Donc j'ai pas écouté ce que Siaka m'a dit. Après, est-ce que le fait qu'il ait pris 3 fautes rapidement et qu'il ait pris cette faute vraiment très très sévère sur sa sortie à 3 points justement sur Jalen Brown, on a vu les arbitres qui ont été très sévères sur les sorties à 3 points des Raptors, il y a Kyle Lowry qui a pris une faute aussi d'entrée. Est-ce que c'est pas le genre de choses aussi qui te calme quand d'entrée tu vois les arbitres, ils en ont pris 11 fautes dans le premier quart-temps? Et tu te dis, on peut pas défendre avec, faut toujours s'adapter à l'arbitrage du jour. Et quand tu vois que l'arbitrage du jour ne te permet pas peut-être des choses que tu fais d'habitude, est-ce que c'est pas un frein pour l'équipe? Et après, du coup, tu te mets dans un autre, je sais pas comment dire ça, dans un autre état d'esprit et tu dis, oh, il faut qu'on fasse gaffe. Et peut-être que du coup, les Raptors ont été moins agressifs sur la suite du match en ayant ça dans la tête, en se disant, oui, peut-être l'arbitrage aujourd'hui ne nous laisse pas faire ce qu'on fait d'habitude. Est-ce que c'est quelque chose qui peut jouer selon toi? Mentalement, oui. Si derrière t'as pas ton attaque qui est dedans, déjà la confiance en soi elle est faible. Si derrière en plus tu rajoutes l'arbitrage, c'est possible que les joueurs se laissent avoir dans un cercle comme ça. Après, on est malheureusement trop peu qualifiés pour arriver à juger ça après le match et pour comprendre la pression que les joueurs subissent en ce moment. Avec les événements qui se passent aux États-Unis en ce moment, de toute façon. Ouais, c'est clair. Qu'est-ce que je voulais aborder d'autre? Bon, je pense qu'on a fait un peu le tour, hein. De toute façon, il y a pas. Si on regarde les autres stats, il n'y a pas une grande différence entre les deux équipes. Contre-attaque 6-7. Après, bien sûr. Alors là, oui, les Celtics ont eu une très bonne défense des transitions des Raptors. Les Raptors doivent faire mieux, quoi qu'il en soit, dans ce domaine-là. C'est la meilleure équipe de la NBA en contre-attaque, 18 points par match. Quand t'en mets que 7, c'est que l'équipe adverse a bien défendu, mais tu te dois de mieux gérer ces contre-attaques-là. Non, et puis, comme tu dis, une défense sur transition qui est hyper, hyper intéressante. J'ai l'image de Marcus Smart qui tente un tir un peu compliqué. Mais, c'est l'image du joueur qui fait une erreur. Et la seconde d'après, pendant la contre-attaque des Raptors, paf, il vient juste tapoter la balle, il la récupère. Il y a un dunk moulin avant, je sais plus qui met le dunk. Mais pour moi, c'est l'image aussi que je vais retenir de ce match-là. Si vraiment je dois me donner une image générale, c'est une équipe de Boston qui a cadenassé 2 aspects des Raptors. La première, c'est qu'ils ont cadenassé leur capacité à faire des contre-attaques. Brad Stevens avait fait, d'ailleurs, dans sa conférence de presse, avait expliqué que c'était aussi un de ses objectifs. Pour lui, c'est réussi. Deuxième chose, c'est surclasser la défense des Raptors. Parce que même quand il faisait une défense individuelle, il a toujours réussi à faire driver ses stars. Jalen Brown a toujours été efficace. Kemba Walker, pour moi, avec Marcus Smart, c'est des joueurs qui ont été exemplaires. Franchement, je vois les gars, si tu regardes un petit peu leurs statistiques, ils combinent 14 passes à 2. Il combine combien de points? 21 plus 18, tu vois. Donc, ça commence un peu à grimper pour ces deux-là. Ouais, et la dernière chose dont on reviendra, c'est quand on passe en défense de zone très étendue, bah, l'équipe de Boston a réussi à trouver ses tirs à 3 points à 0 degré. Et quand on les défendait, à aller sur les extra passes à 45 degrés. Donc, pour moi, je vais retenir une grosse performance de Boston. Gros plus sur Marcus Smart.
Pour moi, c'est le joueur qui a surclassé la rencontre. Et le troisième plus, c'est Brad Stevens, le coach de Boston qui a été meilleur que le nôtre, que celui des Toronto Raptors. Donc voilà, moi je retiens quand même un très bon match de Boston, in Ouais, fine. je te suis. Je te suis. Et Marcus Smart, c'est très intéressant parce que notre ami de Celtics FR avait noté que c'était l'un des facteurs X pour son équipe. Il a dit de toute façon, Marcus Smart sera toujours bon en défense, mais si on arrive à avoir quelque chose de lui en attaque, ça peut vraiment faire la différence. Et Et ben, il je pense comble que l'absence de Marcus. Gordon Hayward. Et il comble l'absence de Exactement. Gordon Exactement. Et je pense que Marcus Smart a dû écouter le podcast ou je sais pas, il a dû écouter Hayward. Celtics FR là, il s'est dit ah là oui, c'est moi qui suis le facteur X. Et ce soir, ouais, il est à 5 sur 9 à 3 points. Donc le petit espoir, l'espoir qu'on peut avoir pour les Raptors, c'est que Smart ne soit pas aussi adroit sur l'ensemble de la série, c'est ce qu'il faut espérer. Et Marcus Smart, le backcourt des Celtics, comme tu l'as dit, a totalement dominé celui des Raptors avec 39 points cumulés, 14 passes et un plus-minus de 27 et de 25 pour Kemba Walker et Marcus Smart. Ça a été. Et je voulais, pour finir, faire vraiment un big up à Daniel Theis. Daniel Theis, il a fait un très très bon match pour moi. En fait, il est parfait dans son rôle, je trouve, côté Celtics. Ils ont un 5 de départ avec beaucoup de scoreurs déjà. Et en fait, ils n'ont pas besoin de lui. Ils n'ont pas besoin qu'il en fasse trop en attaque. Et je trouve qu'il est vachement bien dans son rôle. En défense, il a 15 beaucoup rebonds. d'énergie, 15 15 rebonds. rebonds, beaucoup d'énergie pour courir un peu de partout, pour combler les lacunes quand il y a un manque. Et il met ses points malgré tout parce qu'il lit bien. Il lit bien les aides. Il lit bien les aides défensives et il sait bien se présenter au panier quand il faut pour avoir des dunks ou des petits layups faciles. Il finit avec 13 points. Un gros match, hein, même s'il est qu'à 3 sur 8 au tir finalement. Mais Pour il va le chercher des 4-foot. lancers, il est à 7 sur 7. On notera aussi l'entrée en match dans le dernier quart-temps de Vincent Poirier qui a fait une passe décisive et une Une interception. interception. Voilà. Ouais, et oui, et à noter également, par contre, par rapport à ce que disait notre ami de Celtics FR aussi, il voyait Enes Kanter qui avait fait un bon premier tour comme facteur X, et finalement, on notera que Brad Stevens n'a pas fait jouer du tout Enes Kanter. Et quand il a fait ses rotations intérieures, il lui a privilégié Williams. Williams qui a fait deux, trois bons passages défensivement, il a mis quelques contres. Robert Williams qui met deux contres ce soir et qui prend cinq rebonds en 18 minutes. Il a 10 points aussi. Il a vraiment fait un bon passage tout en sobriété, mais faut noter également du coup le banc des Celtics qui n'est pas non plus ridicule hein, ce soir avec 17 points au total sur Williams et Wanamaker qui sont les deux joueurs qui ont beaucoup joué et Ojeleye qui a mis 3 points. Il a joué 22 minutes aussi. Il a été un peu plus discret, mais ouais, de toute façon c'est un match quasi parfait des Celtics. Hein. Faut juste espérer côté Raptors que ça ne se reproduise pas. Sinon on peut avoir des inquiétudes. Moi, ce qui me dérange aussi, c'est que on a vu exactement le même match qu'en match de classement. Et en match de classement, on avait dit OK, c'est une soirée sans. Ça se reproduira pas et finalement ça s'est reproduit. Alors on va se dire que peut-être le mental n'était pas là en raison de tout ce qui s'est passé, comme tu as dit. Boston a certainement dû mieux gérer ça, mais j'espère une réaction au prochain match parce que si on revit le même scénario, là je vais commencer à m'inquiéter. Et voilà, moi j'ai fini pour ce que je voulais dire. Si tu as un mot de la fin, à toi de jouer. Non, j'attends le preview, que vous allez faire avec les contre Raptors et Boston. Là, j'attends de voir un petit peu ce qui va se dire. On va faire retomber un petit peu la pression de ce match-là, parce que c'est vrai que ça a été dur de voir l'équipe jouer comme ça, du moins se faire surclasser comme ça. Donc on attend une réponse, et on a hâte de voir ce que ça va donner au match 2. Enfin, du moins j'ai hâte de voir ce qui va se passer au match 2. Je pense qu'on a tous hâte. Eh ben, merci beaucoup, Étienne. Je pense qu'on a bien fait le tour de cette rencontre. On n'est pas dans les 20 minutes habituelles, mais là, on commence à monter dans les tours de playoffs importants. Il y a beaucoup de choses à dire. Merci à toi d'avoir répondu présent, comme d'habitude, pour apporter ton analyse. Et on se donne rendez-vous de toute façon dès mardi pour le match 2 et voir un peu. C'est ça qui est très intéressant, c'est sur des séries comme ça. Face aux Nets, on n'a pas eu trop l'occasion de regarder quels étaient les ajustements de Nick Nurse parce que les Raptors ont dominé les quatre matchs. Mais là, on va regarder ça de très près. Ça va être très intéressant de voir avec toi quels sont les ajustements que Nick Nurse fait pour, on l'espère, aller chercher la victoire dans le match 2. Ça marche. Allez, salut tout le monde et à mardi. Et comme on dit quand on se quitte, let's go Raptors! Let's go Raptors. Lowry for three. Bang! Oh!